Mes chers compatriotes savoyards, cela va faire bientôt 2 mois que nous sommes en confinement et pendant toutes ces semaines, les agents du département, les élus ont essayé de remplir leur mission au mieux au service de tous les savoyards. Tout d'abord, bien évidemment, dans les établissements dont nous avons la charge, conjointement avec l'État, les établissements qui reçoivent des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, nous avons tout fait pour que les outils de protection, notamment les masques, soient à disposition de tout le monde, ainsi qu'auprès des services d'aide et de soins à domicile. D'une part avec les dotations de l'État, d'autre part avec les masques jetables que nous avons commandés avec la région, nous avons pu, je crois, permettre aux établissements savoyards et aux services d'aide à domicile de fonctionner dans de bonnes conditions. Nous avons également commandé et acheté des masques en tissu pour tous les agents qui sont au contact du public. Nous en avons également commandé 21 000 dans la perspective du déconfinement, notamment pour les collégiens quand ils reprendront les chemins des cours. Je crois que c'est vraiment tous unis que nous pourrons arriver à surmonter cette période difficile. Une chose est l'aspect sanitaire, une autre est évidemment l'aspect économique. C'est pourquoi, avec le préfet, nous avons organisé des conférences économiques et sociales avec tous les acteurs économiques et syndicaux du département, et puis des conférences plus particulièrement dédiées au secteur du bâtiment et des travaux publics et au secteur du tourisme, très durement impacté dans notre département, ainsi que l'agriculture, bien sûr. S'agissant du bâtiment, le département a décidé de faire des avances aux entreprises qui travaillent sur nos chantiers, 80% pour les chantiers en cours, 50% pour les chantiers à venir, et dans toutes nos vallées, qu'il s'agisse du Val d'Arly, de la Maurienne, de la Tarentaise et dans les autres secteurs du département, peu à peu, les chantiers reprennent et nous sommes heureux ainsi de pouvoir soutenir l'activité économique. S'agissant du tourisme, il y a évidemment des mesures nationales qui dépendent de l'État, je pense notamment aux aides aux entreprises, et nous veillons à ce que personne ne reste au bord de la route et je voudrais saluer le travail qui est fait par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, au financement de laquelle contribue le département de la Savoie, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers. Nous savons que dans notre tissu économique, beaucoup d'entrepreneurs sont en difficulté et nous sommes là en vigilance pour les aider et pour rebondir. Mais nous savons aussi que nous avons une formidable Savoie à promouvoir et avec Savoie Mont-Blanc Tourisme, que pilote pour le département de la Savoie Vincent Rolland, après avoir pris la tâche de tous les acteurs du tourisme, nous allons bien évidemment lancer des campagnes de promotion touristique, notamment pour l'été prochain et évidemment pour également la saison d'hiver prochaine. Avec les agriculteurs, nous avons également beaucoup travaillé et nous avons adopté hier, avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc, différentes mesures de soutien à l'agriculture. Par exemple, acheter des produits non périssables pour participer à l'aide alimentaire et participer à la nourriture des élèves et des collégiens. Voilà, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas restés inactifs pendant ces dernières semaines. Nous avons été là, présents, sur le terrain et bien évidemment,
Cela ne fait que commencer puisque nous avons désormais le déconfinement à préparer et nous aurons l'occasion dans les jours et les semaines qui viennent de vous redire où nous en sommes. Je voudrais en tout cas vous remercier pour le comportement exemplaire que vous avez eu et vous dire tout simplement que la Savoie est unie et le département au service de tous. Je vous remercie.